Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'entreprise pour la troisième et dernière partie de la vidéo. Comment ça marche, donc dès que vous êtes en candidature. Mais avant, j'ai oublié un petit truc à vous dire, c'est que le règlement, le profil et le camion que je vous ai dit sur la deuxième partie, d'accord? Ça marche aussi sur ATS, hein, donc le règlement est pareil pour ATS ou ETS, hein, c'est la même chose, c'est la même chose. Hein. Alors je parle des deux, hein, pas dans les commentaires, vous me dites. Alors comment faudra faire pour... comment ça va se passer? Donc, boum. Voilà, moi je me suis connecté. Donc les trajets qui sont ici, vous faites... Bon, c'était simple. Comment on va faire? Donc déjà, quand vous êtes inscrit, vous téléchargez VT Timeline, etc. D'accord? Moi, c'est fait. Donc, comme je vous ai expliqué au début comment ça marche pour l'ouvrir, etc. Donc, vous l'ouvrez, vous ouvrez, si vous avez les deux, vous les ouvrez les deux en même temps, c'est bon. Donc, Truckbook et VTMLine, d'accord? Moi, je vous conseille, si vous faites pour l'entreprise, d'ouvrir un dossier entreprise. Donc, vous voyez, paf, transport QC, entreprise virtuelle, ETSE, BG. Ils mettent ATS aussi, mais c'est pas grave. Dedans, vous faites un dossier par exemple règlement, ou vous faites comme moi, vous mettez le profil, le règlement et le camion vide, et ce que vous faites, peut-être un autre où il y a les. Où vous créez un dossier où vous mettez votre. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous créez un dossier où il y a un faux chauffeur. D'accord, vous mettez un faux chauffeur si vous voulez. Et dans ces tous les. En fait, vous vous retrouvez pareil, le profil, les règles, le camion. Sauf que ça sera rempli et que ça sera dans ce dossier-là. Et que ceux qui ne sont pas remplis, ils ne seront pas mis dans un dossier, ils seront dans le dossier de l'entreprise, mais c'est tout. Après, si vous avez les deux en même temps, ou vous avez qu'un seul, vous marquez dossier ATS ou ETS. Bon, vous pouvez le nommer, hein, vous pouvez mettre ATS ou ETS. Mais si vous avez les deux. Vous créez deux fichiers ATS et ETS, d'accord? Comme ça, vous vous retrouvez. Et donc, vous... comment dire? Ah mince, j'ai perdu le truc. Donc, si vous avez les deux, vous mettez les deux fichiers dans ce dossier-là, d'accord? Si vous en avez qu'un... pas besoin de créer ATS ou ETS, d'accord? Soit vous marquez pour pas vous perdre ce que c'est comme entreprise virtuelle, vous mettez ATS ou ETS, d'accord? Ou dedans, vous aurez, alors moi ça y est pas parce que j'ai créé les deux parce que j'ai ATS ou ETS sur mon truc. Alors pour ATS c'est pareil, alors moi comme je suis patron c'est différent, vous avez employé, le corps civil et patron. D'accord. Alors là, patron, si vous êtes bon, vous, ça sera chauffeur ou patron, hein, quand vous voulez, chauffeur, manager, quand vous voulez, chauffeur, voilà. Vous marquez trajet 1, vous faites des dossiers, trajet 1, trajet 2, trajet 3. Voilà. Bon, si vous faites que deux trajets par jour, vous mettez deux trajets par jour. Vous faites deux dossiers par jour et vous les envoyez. Voilà. Donc, vous les envoyez pas, mais vous faites ces dossiers-là, vous faites des trajets, trajets numérotés. Et pensez-les à les supprimer. D'accord? Pourquoi? Parce que... à supprimer les... Merde, je vous dis de la merde, moi. Donc moi, employé. Donc moi, quand je suis employé, il y aura les noms. Les pseudos, les noms des chauffeurs. Paf, paf, paf. Et quand je vais cliquer dessus, je vais voir chauffeur, information. Donc non, je vais voir trajet. Information de dossier dedans, d'accord, que je pourrais cliquer et pouvoir les trajets et les informations sur vous. Moi, patron, j'ai pas besoin d'informations. Si je change de camion, je change de camion, je suis libre. Voilà, voilà, j'ai recommencé une nouvelle partie, donc ça, c'est pas un machin. Alors, ce que vous faites, si vous avez Steam, c'est très bien. Si vous jouez sur Steam, vous avez le jeu sur le bureau, vous pouvez le mettre sur Steam. Vous pouvez, hein, parce que sur Steam aussi, vous pouvez prendre des photos, même si le jeu n'est pas acheté sur Steam. Okay. Donc quand vous faites des photos, vous allez sur votre Steam, vous faites en fait, c'est simple. Les photos que vous devez faire, alors, que ce soit en solo ou en multi, c'est pareil. Mais je vous conseille de filmer vos trajets pour le multi. Pourquoi? Si vous pouvez filmer, hein, si vous ne pouvez pas, vous pouvez faire que des photos, pas de problème.
En fait, c'est si jamais par exemple il y a un qui vous qui vous fait chier dans l'entreprise, vous faites votre trajet par exemple tranquillement, puis il y a un con qui vient, qui vous fait des accidents, qui vous suit, qui vous provoque encore des accidents. Ce que vous faites, vous notez les dégâts. Tac. Vous notez sur une feuille dégâts, vous notez le nom, qui c'était. Tac, tac, tac. Moi, j'ai entrepris, je vais essayer de retrouver. S'il n'y est pas, ben, ça sera pour pas pour votre pomme, mais comme ça, vous envoyez un rapport. Et si moi, le rapport, je dis, bah putain, ça dépasse les 20% du trajet. C'est pendant votre trajet, pendant le point A, vous avez pris la cargaison jusqu'au point B, vous devez la livrer. Donc, moi, je vous envoie un mail, et puis si vous m'envoyez pas un mail de réponse, que ce soit n'importe quoi, je considère que c'est votre faute. Si c'est précisé dans un autre, vous envoyez un mail à moi, dans envoyer un mail de l'entreprise, et que voilà, il y a un kikou qui m'a fait chier, etc. J'ai voulu l'éviter, ça n'a pas plu, j'ai pris des dégâts, j'ai pas pu avancer vers mon trajet, voilà. Bah, ce que je fais, j'accepterai ton trajet, mais ce qui est accident, etc., je l'accepte pas, sinon tu vas avoir des amendes qui seront pour ta faute. Quand, par contre, si c'est toi qui les as fait, des amendes ou pendant ton trajet ou qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mince. Ah purée. Je voulais vous dire un truc. J'ai perdu le fil du truc. Par exemple, si c'est vous qui avez heurté quelqu'un, bah c'est vous qui payera les réparations, etc. Ça se peut que vous ayez des sanctions de l'entreprise, donc vous ne roulerez plus pour l'entreprise pendant un petit moment, voilà. Vous nous prouvez que, voilà, etc. D'accord? On vous enverra des mails de toute façon s'il y a moins de problèmes. Donc déjà, c'est quand vous êtes un candidature, vous faites ça. Parce que dans les trajets, hein, je vais vous expliquer quand vous faites un trajet, quand je vous ai montré le tracteur pelle ou non, les chariots élévateurs, voilà, le dernier que j'ai fait, bah, par exemple, c'est votre premier trajet. Vous faites un chariot élévateur, c'est une connerie. Vous allez de Genève à Clermont, pour ceux qui ont un DLC, ceux qui n'ont pas de DLC, Lyon, enfin, si vous voulez. Ce que vous faites, si vous avez déjà créé ça, quand je vous explique, trajet 1, trajet 2, c'est bon. Parce qu'après, si vous avez, si c'est si, vous prenez, si vous faites des photos par Steam, tout doit être pendant le trajet. Donc, comment je peux vous expliquer? Par exemple, faut tout photographier, même pas filmer si vous êtes solo, ou voilà. Mais sinon, si vous pouvez voilà, faire des photos de différents trucs, alors les photos que je veux voir, alors c'est simple, vous faites ça et puis vous faites vos dossiers, etc. Normalement, quand vous faites un trajet, c'est très simple. Vous notez ce que vous faites, ce que vous faites, vous mettez, vous pouvez mettre trajet 1, trajet 2, ou vous pouvez mettre le trajet, ce que c'est, tracteur pelle, etc. Comme vous voulez, et mettre aussi un bloc-notes où vous marquez tout ce qui est info, vous avez marqué sur votre bloc-notes. Hein, votre bloc-notes, vous écrivez avec vos stylos, d'accord? Tout ce que vous avez mis, vos informations, vous voulez les mettre sur le bloc-notes virtuel, vous le mettez, d'accord? Ici, donc quand vous allez envoyer, en fait, vous allez envoyer un mail. Moi, je vous conseille de faire soit trajet 1, soit mettre ville ou ce que c'est comme trajet. C'est un peu long à vous expliquer ça, hein,
parce que ça fait automatique, ça fait automatique, mais ça fait autre chose. Et c'est très simple, c'est automatique, mais moi je veux le mail de vous avec tous vos trajets. Alors moi, ce que je veux quand vous envoyez un mail avec tous les trajets, c'est les trajets pendant une semaine réelle, d'accord, du lundi au dimanche, voilà, dimanche soir, vos trajets, si, et de les envoyer dans la semaine, d'accord. Etc. Moi, bon, après, je peux tant que j'ai pas votre dossier, je peux pas valider votre trajet parce que je n'ai pas reçu votre mail. Voilà. Après, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs avec les boîtes mail. Hein. Voilà, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs, hein, mais ça peut arriver. Donc, faudra donc c'est ça quand vous faites un trajet. Bim, comme je vous montre, là je vais vous montrer un trajet. Le trajet Bratislava, d'accord? Bratislava en Slovaquie pour aller en Autriche, d'accord? À Linz, bon, Linz, ce que vous voulez. Donc ça c'est automatique, mais il y a des trucs qui ne met pas comme. Alors je ne sais pas s'il met les péages. S'il ne met pas les péages, en fait il faut tout noter sur un bloc-notes à côté de votre ordinateur, comme ça. Vous pourrez mettre en virtuel sur un bloc-notes ou sur une page Open Office, etc. Toutes les infos du trajet de. Alors vous mettez trajet tel ou tel, d'accord? Et vous marquez toutes les dépenses qui n'étaient pas sur votre trajet. Qui n'étaient, pour dire, qui n'étaient pas automatiquement mis. D'accord? Après, vous mettez des commentaires. Vous mettez un commentaire. Ben, moi, je vais vous mettre un commentaire, je pense. Voilà, etc. Comme quoi le trajet est accepté, mais les maintenant la maintenance est refusée pour X raisons, d'accord? Donc vous aurez votre salaire, etc. Là, vous avez férié le péage, comme je vous ai dit. Mais en fait, il faut tout prendre la photo. Alors, moi, je vous conseille pour faire une photo d'un trajet, vous choisissez le trajet que vous voulez faire, la cargaison que vous voulez prendre. Prenez la le t-shirt par exemple, soit en 11 000, voilà, prenez 71 000. Vous notez dans votre net combien vous avez de marge, de charge, de frais, de dépenses, comme ça vous êtes tranquille. Vous prenez une photo de tout, ça veut dire quand vous faites un trajet, donc vous allez chercher votre cargaison à l'entreprise, et avant de prendre vraiment l'entreprise, mettez votre flèche sur quelque chose. Avec toutes les informations, et vous faites un screenshot de okay, si vous êtes sur Steam, hein, ou autre, de faire un comme quoi c'est le trajet que vous avez pris, d'accord. Donc, d'accord, ça c'est ce que le trajet que vous allez prendre, et pour le confirmer, donc vous avez pris votre cargaison, vous allez sectionner dans le truc, vous allez. Cherchez votre cargaison, l'attachez à votre camion, d'accord? Et là, moment où il y a les messages, etc., les dégâts, les infos du trajet, et bien là, sur info du trajet, vous faites un screen. Donc, c'est un screen de tout l'écran, mais moi, ce qui me concernera, ça sera juste le petit truc que vous avez mis, le petit truc où il y a, c'était un contrat externe, enfin un contrat externe. Je m'en fous de votre temps de conduite, c'est juste c'est bien la bonne cargaison que vous avez pris, si c'est bien le prix, etc. pour que je puisse bien confirmer ça déjà. Voilà. Donc dès que vous avez pris cette photo, vous faites votre trajet. Par exemple, si vous faites des infractions, il faut prendre un screenshot. Si vous faites le plein, avant de partir, vous faites un screenshot. Donc avant de repartir de la station, vous faites un screenshot, comme ça vous pourrez partir, et comme ça, vous savez que c'est fait. Moi je vous conseille avec un bloc-notes de marquer le trajet numéro 1, vous mettez ce que c'est, comme ça vous n'êtes pas perdu dans vos photos, d'accord, le screenshot, parce que si vous en faites 10 par jour des trajets, vous serez perdu. Donc là vous faites paf, vous mettez trajet 1 des chariots élévateurs, trajet 2 des bidons, n'importe quoi, je dis des conneries, mais voilà. Puis moi je confirmerai ça. Et comme ça, dans votre dossier, vous marquez bien ce que c'est, parce que sinon, moi, je ne peux pas savoir ce que c'est le trajet 1. Mettez un petit bloc-notes s'il y a des trucs à rajouter. Hein. C'est tout. Voilà. Prendre aussi les screenshots
des péages, vous passez, vous devez payer. Hein. C'est des péages où, par exemple, si vous prenez un péage, vous prenez pas de photo quand vous arrivez sur un péage et que vous devez prendre le ticket, vous prenez pas de photo. La photo faudra prendre du péage, c'est quand vous allez arriver sur l'autre péage, il faudra payer la somme, que ce soit que ce soit télépéage ou pas télépéage. Vous prenez une photo avant de partir. Bon, si vous êtes télépéage, faut vite réactif et appuyer, tac, pareil pour les amendes, etc. Aussi, il faudra prendre, alors avant d'étaler la remorque, prendre une photo des pourcentages que j'accumulerai. Ça sera pour les accidents et l'essence, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tableau de fin. D'accord, le tableau à la fin, combien vous avez gagné. Donc voilà un peu pour ce qu'il faudra faire. Voilà. Et après, vous m'envoyez par mail vos trajets. Vos trajets, tac tac, de la semaine. Paf, paf, paf. Et moi, je machine. Alors, si vous n'êtes pas payé tout de suite sur votre truc, c'est que soit ils sont en cours, soit j'ai pas le temps. Voilà. Ou c'est un peu de la casse-tête, un peu casse-tête chinois, on va dire. Et si vous voyez qu'il y en a un, si vous voyez qu'il y a un ou deux qui étaient acceptés, c'est que j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Voilà. Donc ça sera beaucoup d'attente. Hein. C'est pour ça que si au bout d'un moment j'ai trop de personnes, trop d'employés, vous serez. Il y aura peut-être certaines personnes qui vont s'occuper de ma place. Alors je leur donnerai l'adresse mail de l'entreprise que j'ai créée. Hein, que j'ai créée, hein, pas mon perso. Avec le code d'accès pour qu'ils puissent envoyer directement un mail au gars directement. Nous, on va noter les adresses mail comme ça. Si quelqu'un dit, ben, t'as l'adresse mail de telle personne, nous, on va dire, ben, attends, j'ai le trajet. Donc voilà pour ça. Et comme ça, vous savez si c'est accepté ou pas. D'accord? Donc voilà. C'est tout ce qui n'est pas marqué. Il hein, faut noter ce qui n'est pas marqué automatiquement. Donc les péages, les ferries. Les réparations, les infractions, les incidents, voilà. On marquait tout le type, etc. Voilà. Ok. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas de couleur. Alors, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez comme couleur, également. Après, peut-être plus tard, il y aura une couleur, mais pour l'instant, non. Donc, voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc, moi, je vous dis bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Hein. Je précise que le lien des entreprises sera en dessous de la description. Si vous voulez faire un petit tour, il n'y a pas de problème. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, mettre un j'aime, mettre un commentaire, à partager la vidéo. Et si vous voulez me suivre, il y a tout dans la description. Et même pour faire un don si vous avez envie. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle. Alors, ciao tout le monde.